Good morgen, allez, Iden, le tus aujourd'hui, le Nishmat, Mourir Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Menachot, Perek Zayin Mishnah Bet. Hamilouim, Ayoubaim, Kematsa Shebatoda, Chalot Urkikim, Urbucha. Hanezirut Aitabaa, Shteyadot Bematsa Shebatoda, Chalot Urkikim, Ve En Barevucha. Nimtseu, Asara Kabim, Yerushalmiot. Shen, Shisha, Isronot, Ve Edouyan. Omikulana Yanot Elechad Measara Touma. שנאמר ויקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה להשם, אחד שלא ייטול פרוס מכל קורבן, שהוא כל הקורבנות שווין, ושלא ייטול מקורבן החברו. לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה, והשאר נאכל לבעלים. On commence par rappeler tout d'abord une petite notion qu'on avait appris dans la mission précédente, ce qu'il fallait retenir. Lorsqu'on apporte un korban toda, il faut apporter 40 pains avec... Ces pains, hein, il fallait les faire avec deux Eifa. Une Eifa, c'est dans Escalav Gudo, Eifa c'est Akavalon Beitza. La Eifa c'est la plus grande des mesures. Dans une Eifa, il y a 10 dixièmes, 10 Isaron. Quand on dit un Isaron, c'est un Asirit Eifa. On rencontre fréquemment dans la Torah. Asirit Eifa, c'est un Isaron. Donc il fallait apporter deux Eifa, donc 20 Isaron. Avec la moitié, on apportait 10 pains Chametz. Et avec l'autre moitié, on apportait 30 pains, qui étaient matzah, on faisait attention, ça ne fermente pas. Et il y avait trois espèces de pains. Chalot, rekikin, urvucha. Trois espèces. Chalot, c'est que c'est pétri avec un peu d'huile. Rekikin, c'est qu'en fait on l'a fait cuire sans huile, mais qu'ensuite on badigeonne l'huile après cuisson. Et revucha, c'est quelque chose, c'était une sorte de pain qui contenait beaucoup plus d'huile. Une quantité bien plus importante, c'était beaucoup plus mou, une sorte de... Je sais pas, c'est comme sphinge marocain, le beignet marocain, ou un peu semblable apparemment, j'imagine. Voilà, ça c'était pour le rappel de la Mishnah précédente. Avec, bien sûr, les conversions, étant donné qu'on a changé les mesures entre les Issaron de la Torah, retenez juste que un Issaron, c'est-à-dire quand on a 10 Issaron, alors, en fait, c'est écrit Beferouche, 2 Efa, donc 20 Issaron, ça faisait l'équivalent de 30 caves Yerushalmit. D'accord? C'était ce qui est écrit dans la Mishnah précédente. On avait là-bas, Bemida Yerushalmiot, Ayu Shloshim Kav. Et 15 caves pour le Chametz et 15 caves pour la Matza, ça faisait 5-5-5. C'est important étant donné qu'ensuite, dans notre Mishnah, on va revoir ces chiffres un petit peu, qu'on comprenne de quoi on parle. À présent, on commence la Mishnah. Et la Mishnah, elle m'enseigne en me disant Hamilouim, les korbanot des Milouim. Lorsqu'on en a inauguré le Mishkan dans le désert, à l'époque de Moshe Rabbeinu, la deuxième année du désert, on a fini de construire le Mishkan. Et il a fallu ensuite inaugurer le Misbéach, permettre aux Kohanim d'entrer en fonction, et pour ça il y avait des korbanot particuliers, qui s'appelaient les korbanot des Milouim. Les Milouim, c'est le Hanouka de Misbéach, l'inauguration. Alors il y avait des korbanot spéciaux, là-bas la Mishnah, la Torah me dit d'apporter des pains. Alors la Mishnah me précise, Hamilouim, les Milouim qu'il y avait à l'époque, Ayubaim kematsa shebatoda. Il fallait les apporter exactement comme tout ce que je t'ai prescrit pour les matzot shebatoda. C'est-à-dire, dans les 40 pains de la Toda, il y avait 10 chametz et 30 matzah. Les mêmes 30 matzah, tu les apportes quand tu fais les milouim. Qui implique donc les trois sortes, chalot, urkikim, urvucha. Les trois espèces qu'on a pris, chalot, c'est pétri avec un peu d'huile. Rekikim, c'est ce qu'on badigeonne d'huile après cuisson. Et revucha, c'est ce qu'on fait dans une huile beaucoup plus, une pâte beaucoup plus molle. Par contre, hanezirut, il y a des korbanot spéciaux pour la nezirut, pour le nazir, lorsqu'il finit sa nezirut. Alors lui, haitaba shteyadot, lui devait apporter deux mains, ça veut dire shteyadot bematsa shebatoda, deux mesures en fait, deux mesures des matzot shebatoda, c'est-à-dire les matzot shebatoda, les 30 pains. Après, il y avait là-bas trois mesures. La mesure pour les chalot, la mesure pour le rikikin, et la mesure pour la revucha. Ben, lorsque tu vas porter le korban nazir, tu vas porter juste deux de ces trois-là. C'est shtei yadot mitor shalosh. Deux parmi les trois. Qui sont les espèces de rikikin, chalot ou rikikim. Chalot, donc, celles qui sont pétries avec l'huile dedans. Et les rikikim, ceux qu'on badigeonne d'huile. Ve en ba revucha. Par contre, on n'apportait pas cette troisième espèce. Donc, en fait, il s'avère... Nimtseu, Asara Kabim Yerushalmiyot. Il s'avère que lorsque tu vas faire le Korban Nazir,
tu vas apporter au final, au total, 10 caves de Yerushalayim, qui correspondent, Shehen, Shisha, Esronot, Va'adouyan, qui correspondent à 6 Isaron, et leur petit plus, leur petit chouïa en plus. On explique très simplement, puisqu'on a expliqué que 2 Epha. Alors, 2 Epha, 1 Epha fait... ouais, si on convertit Epha, c'est un cave log. Donc, 1 Epha fait 3 caves, et 1 fait 3 logs, escalave. 1 Epha fait 3 CA, excusez-moi, escalave. Epha, c'est A cave, les 3 premiers. Epha, c'est A cave. Donc, 1 Epha fait 3 CA, 1 CA fait 6 caves, c'est Goudo, vous vous rappelez, les coefficients. Donc, dans 1 Epha, on se retrouve avec 18 caves. Sauf qu'à Yerushalayim, on a changé les mesures, et on a dit qu'on va rajouter un sixième, c'est-à-dire qu'en fait, 6 deviennent 5, donc en fait, il va y avoir 15. Donc, dans une FA, on retient maintenant. Ce qui m'intéresse, c'était ce qui est écrit dans la mission précédente, dans une FA, on a 15 caves. Si je te dis d'apporter 2 tiers de cette mesure, donc tu vas apporter juste 10 caves de Yerushalayim, qui correspondent à 6 Issaron et 2 tiers. Idouyan, c'est le petit chouïa en plus, c'est-à-dire le petit tiers en plus. Deux fois un tiers. Ensuite, deuxième sujet maintenant de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chalot? Alors là, je corrige une erreur que je vous ai dit dans le cours précédent. J'ai eu un doute pendant le cours, et j'ai dit une erreur pashut. C'est que lorsqu'on apporte, je le dis tout de suite comme ça, on va le revoir dans les mots de la Mishnah. Lorsqu'on apporte 10, pour chaque 10 pains, en fait, on peut même parler du Korban Toda, ça s'importe même sur le Korban Toda. Chaque série de 10 pains, la Torah me dit, tu vas en donner un à Hachem, Terouma à Hachem. La Kohen à Makrivoto Loïe. On va le donner à Hachem et on va le donner au Kohen qui écrive qui offre le Korban Toda. Il faut lui faire un cadeau, un pain. L'erreur que j'ai fait hier, c'est de vous dire qu'il fallait malgré tout prendre un comets de sel donné sur le misbéach. Ça, c'est faux. On donne le pain au Kohen et c'est tout. Le Kohen le mange. On ne fait pas monter ces pains-là, ni du Hametz, bien évidemment, mais même de la Matzah. On ne le fait pas monter sur le misbéach. On le donne au Kohen et c'est tout. C'est ça notre mitzvah à faire. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne à présent en me disant « Omikulan hayan otel echad me asara truma » De toutes les séries, chaque fois que je t'ai dit d'apporter 10 pains, et ben de tous, tu devras prendre un des 10 en truma, en prélèvement, pour Hachem. « Sheneema » Comme le pasouk me dit, faites attention au pasouk, parce que de ce pasouk, on va déduire en fait deux halachot qui vont être explicités dans la Mishnah. « Veikriv mimenu echad mikol korban teruma l'Hachem » Le pasouk me dit « Et il offrira de lui, donc de ses pains, Echad Mikol Korban, un de toutes ses offrandes, de chacune des offrandes, Trouma Lachem en don pour Hachem. Toutes ces offrandes, on parle en fait des offrandes, des oblations. Donc de tous les 40 pains qu'il va apporter, un de tous les korbanotes qu'il va apporter. La Torah me précise de tous les korbanotes que tu vas apporter, quand tu vas faire ton korban Toda, donc on parle en fait des pains que tu apportes, tu vas en offrir un de tous les korbanes que tu apportes. De chaque korban. Donc je t'ai demandé d'apporter 4 espèces, tu vas offrir un de chaque espèce, donc tu vas offrir 4 pains. D'accord? Un chala, un chametz, 3 matzah qui sont chalot, rikikin ou revoura. Maintenant, de là la Mishnah me déduit. Tout d'abord, echad, shaloitol parous. Je te demande de donner un, c'est un qui n'est pas coupé en deux. Tu ne peux même pas donner deux demi. Tu dois prendre un pain entier et le donner au Kohen, tel quel, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Shaloitol parous, shavour vechatour, et le kin bartenoir. Mikol korban, que tu devras prendre un de chaque korban. De là, on va prendre deux halachot. D'une part, sheyu kol korbanot shavin, que toutes les espèces doivent être égales. Veshelo itol mikorban nachavero, et qu'il ne peut pas prendre un pour son voisin. Ces deux halachot, en réalité, c'est simple ce qu'il y a écrit, c'est pas compliqué. C'est juste de comprendre comment ça a été déduit du pasouk. C'est aussi. Pas compliqué, mais il faut juste bien réaliser. La Mishnah me donne deux halachot qu'on déduit. Tu offriras un de chaque korban, de chaque série. De là, je déduis deux halachot. Ah, je t'ai dit un de chaque série, ça signifie que tu ne prends pas un pour l'autre. Ça signifie que, si par exemple, au sens simple, si je prends deux chalot ou trois chalot et acquitter ainsi les chalot rekikin et revucha, les trois espèces, la Torah me dit non, tu prends un de chaque espèce. Bon, là, pour le moment, sur la première phrase, ça marche. Sheyu kol korbanot. Shavim, mais Shelo Itol Mikorban Nachavero. Regardez. Pour la deuxième phrase, c'est parfait. Shelo Itol Mikorban Nachavero. Tu ne peux pas prendre de l'un sur l'autre. C'est normal, tu me dis de prendre un Mikol Korban.
Mais la petite feinte, elle est là. Comment est-ce que tu réussis à déduire de cette phrase-là, de Echad Mikol Korban, Shiyu Kol Korbanot Shavim, que tous les korbanot doivent être équitables? Je t'ai dit de prendre un de tous les korbanot, et de là tu déduis que tous les korbanot doivent être équitables. C'est un peu... On a du mal un peu à comprendre comment on déduit cette halakha de là. Je t'ai dit de prendre un de chaque korban, donc tu dois faire tous les korbanot en quantité égale. Comment l'un implique l'autre? On a du mal à comprendre. Le Bartenant, il explique quelque chose de très simple. C'est que moi, je t'ai demandé d'apporter un de chaque korban et il s'avère que ça va faire un dixième de chacun. Si toutefois, tu vas te mettre à faire de l'un, tu vas faire 5 espèces et de l'autre 15 espèces, si tu, quoi qu'il arrive, moi, je te demande de prélever 1 pour 10. Si je te demande de prélever 1 pour 10 et que d'une espèce, tu n'en as que 5 parce que tu as donné 5 en plus à l'autre. Ouais, j'avais dit 10 chalot, 10 rekikin, 10 revucha. Imagine que tu as fait, entre les chalot et les rikikin, tu as fait 5 chalot et 10, 15 rikikin. Maintenant, je te demande de prélever 1 de chaque et 1 pour 10. Si tu vas prendre une chala, il s'avère qu'elle a contre elle 5 uniquement. Et quand tu vas prendre ta revucha, elle a contre elle 15. Or, le 1 que tu vas prendre, ça va acquitter les 10. Les 5 autres, comment ils vont se faire acquitter? Ils vont se faire acquitter par la chala que tu as pris des chalot, que tu veux acquitter par là les revucha. Là, ça marche pas, je t'ai demandé de prélever de chacune une pour 10. Vous avez compris le jeu, en fait, comment ça s'est fait? De là, j'ai déduit donc ces deux à la chotte, du fait que je t'ai demandé de prendre un de chaque corban, j'ai déduit que chaque corban, il doit être équitable, et que tu prends un de eux, comme ça, un, il acquitte les 10. Et il n'y a personne qui va acquitter l'autre, parce que celui va faire plus de l'un. Au dépend de l'autre, c'est-à-dire que quand tu vas prélever celui en petite quantité, il va acquitter une partie de l'autre espèce qui n'est pas semblable. Voilà, si vous avez compris, sinon c'est pas grave, rien de grave. La Kohen Azorek Dam Ashlamim Lo Yehiye, c'est la suite du pasouk en fait. Écrit Vemenu Echad Mikol Korban Terumah Hashem, et le pasouk me précise que tu le donneras au Kohen Azorek Dam Ashlamim Lo Yehiye, tu le donneras au Kohen qui asperge le sang des Shlamim, ce sera pour lui. Il me semble que ça se partage entre Anshe Mishmar, je ne l'ai pas vu, et ici, peut-être c'est écrit ailleurs. En tout cas, de là, tu déduis que Vashar n'echal que la Béalim, et le reste va être consommé par les propriétaires. Et de là, bien sûr, je corrige mon erreur de nouveau d'hier, où je vous ai dit que sur les matzot qu'il fallait prendre, faire un kometz, pas du tout. On ne fait pas de kometz dans les lachmé toda. En kazadavar. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, une ktiva vechatima tova, en vous souhaitant, Bezrat Hashem, d'être inscrit dans les livres des tzadikim, les livres de la parnassa, de la bonne santé à vous et à toutes vos familles. Et que, Bezrat Hashem, c'est le moment de faire des kabbalot sur vous, des Rosh Hashanah. Prenez encore plus de vous acharner à l'étude de la Torah. Il n'y a que ça qui paye dans la vie, mes enfants, il n'y a que ça qu'on emporte avec nous. Et donc, qu'on continue à faire encore un beau morceau de chemin ensemble avec toutes les shiurim de Mishnayot. Et kol tuv selah ktiva vechatimah tovah.